Congo number one. Il n'y a pas deux quoi. Donc, Balobi, Congo ya yambo. Congo moko na mokili. Congo number one. Numéro un. Congo moko na mokili. Congo number one. Tara nga moroso ni an number one. Congo number one. Congo number one. Congo number one. Congo number one. Pe Congo ka number one. Number one, Congo number one, toujours number one, Congo is number one. Hein? Ah, Botunaï, Ngalema, Niniva, Congo number one, meilleur. Congo, 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 number, number, one, one, one. Donc numéro un, c'est encore numéro un. Donc Batunaï, c'est la yébi, donc il faut qu'on compte pas bander à la un. Number one, Congo number one, toujours number one. Ce qui est impossible chez nous, ça ne peut pas se faire. Parce que le ministre de l'Intérieur de chez nous est un homme de Kabila. Donc personne ne va accepter d'aller aux élections avec un monsieur qui est chez Kabila, qui est un atalogue de Kabila, et puis ministre de l'Intérieur, donc ça ne peut pas marcher. Non, je vous interromps. Non, il n'est pas atalogue de Kabila. Jamais il n'a pris la part de Kabila pour parler. Ouais. Donc là, vous voulez parler de M. Jean-Claude Bayende. Oui. Parce qu'après, je sais même qu'il n'y a eu que Jean-Claude Bayende. Ouais. Mais l'Assemblée provinciale est dominée par l'opposition. L'Assemblée provinciale de l'Équateur est dominée par l'opposition. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours cette crise qui, n'est-ce pas, ne se termine pas? Mais ce sont des gens qui courent derrière l'argent. Ouais. Ce monsieur-là, on nous a présenté ce monsieur comme étant un technocrate. N'est-ce pas? C'est un technocrate qui nous a été présenté par Kabila et ses hommes. En tout cas, le bilan de Matata, à moins que je sois aveugle, il est négatif. Ouais. MCU Productions vous présente Le Temps de l'Esprit, nouvel album de la sœur Belle Annie et son groupe Le Rocher des Âges. Un album 100% Jésus, inspiré par le Saint-Esprit. Adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur. Oyo Myriam Yatango Nabiso, Bonza Mende Fandina album Oyo. Kimambangu, Somba album Nayo. Cet album est déjà disponible. Une musique qui nous transporte devant le trône de grâce. Découvrez et savourez le temps de l'esprit. Nulle part ailleurs. Un album 100% Jésus. Inspiré par le Saint-Esprit. Adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Le Temps de l'Esprit, c'est votre album. Un album déjà dans vos bacs. Courez vite, achetez Le Temps de l'Esprit. Disponible chez Casarema et sur vos points de vente habituels. Album Le Temps de l'Esprit, Bonza Mende Fandina Kati album Oyo. Le Temps de l'Esprit, album Yangoyo, album Nabino, papa, maman, bana, musique ya solo, musique ya sika, po Nabino, bana na Nzambe. Album Oyo, Ozanga Yangote. Bienvenue sur www.congonumberone.com, le number one des sites congolais. Toujours dans le souci de vous présenter et de vous informer sur l'actualité de notre pays, aujourd'hui nous allons analyser deux grands sujets parus sur le journal à Kinshasa. Tout de suite, je vais présenter mon invité de ce soir. Il s'agit bien de Michel Moulumba, le journaliste indépendant, à qui je vais directement dire bonjour Michel.
Bonjour, monsieur Guy. Oui, tu sens le, n'est-ce pas, le billet que l'actualité reste dominée actuellement sur la promulgation de la nouvelle loi sur la CENI par le chef de l'État, où il est indiqué que cette fois-ci, la CENI sera constituée de 13 membres et dont il y aura, n'est-ce pas, deux organes, l'Assemblée plénière et le bureau. Pensez-vous que maintenant nous allons avoir une solution par rapport à tout ce qu'on a décrié, n'est-ce pas, en 2011? Quelle est votre analyse par rapport à tout cela? En fait, par rapport à la nouvelle CENI qui sera installée dans les jours à venir, d'emblée je dirais que c'est déjà mal parti. Tant qu'on aura toujours le vocable majorité et opposition, eh bien on aura toujours du mal à cerner les problèmes de la CENI. À mon humble avis, on aurait pu trouver bon de choisir un homme qui est intègre, un homme qui n'a pas des acquaintances avec des politiques. Donc je dirais, pas comme le monsieur qui a géré la CENI en 2006, monsieur Malumalu ou Ngoï Mulunda, au moins un évêque éminent qui n'a pas de relation avec des politiques. C'est ainsi qu'on peut trouver le juste milieu, sans quoi on aura toujours à crier à la tricherie et à d'autres problèmes. Mais dans le 13 membres, il s'agit bien de 6 membres de l'opposition, plutôt de la majorité, 4 de l'opposition et 3 réservés à la société civile. Donc la présidence de la CENI sera conduite par un membre de la société civile. Voyez-vous pas que, n'est-ce pas, nous sommes en train de sortir déjà de tout ce qu'on a eu comme problème à la CENI dernière? Guy, je ne suis pas d'accord avec vous. Imaginez qu'au sein de cette nouvelle CENI, en fait, la majorité a 6 représentants et l'opposition en a 4, la société civile 3. On regarde maintenant la structure là qui nous est donnée par Kabila et ses hommes, prétend déjà à des conflits dans l'avenir. Je m'explique. Kabila s'étale la part du lion, il se donne 6 hommes. L'opposition, elle est plurielle, donc on leur donne 4 personnes. Alors que dans l'opposition, on aura du mal à fédérer autour d'un seul homme. Du genre, admettons que l'opposition s'est réunissée et que l'opposition représentait des hommes intègres qui peuvent tenir tête aux hommes de Kabila. Ça allait être quelque chose de mieux. Mais tant que l'opposition sera plurielle, les représentants de l'opposition auront une faiblesse vis-à-vis de la majorité. Tant qu'à la société civile, je n'ai pas grand-chose à dire. La plupart des hommes qui animent la société civile aujourd'hui, ce sont des politiciens. Ils viennent à la télé avec l'étiquette de société civile. Mais lorsque tu parles avec eux, tu sens directement que non, ce sont des hommes qui sont proches du pouvoir. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on va s'en sortir avec cette histoire de la CENI. Donc, la meilleure des choses, c'est de trouver un homme qui n'a pas de lien avec des politiciens. Nous avons vu à l'époque de la Conférence nationale souveraine, certes, on était encore de petits, mais on a eu à avoir des archives. Monsengo a eu à mener le débat tranquillement jusqu'à ce qu'on a eu à élire M. Étienne Tshisekedi de Mulumba, premier ministre de la République, à l'époque du Zaïre. Pourquoi Kabila et ses hommes ne peuvent pas réfléchir de trouver un homme de la trempe de Monsengo qui peut animer la CENI? Ils font toutes ces choses-là sciemment, en sachant que non, lorsqu'on nomme nos personnes à la tête de la CENI, c'est pour notre avantage. Donc c'est pour rester au pouvoir. C'est pourquoi ils s'arrangent toujours à avoir plus des hommes pour qu'ils gagnent facilement. Non mais, n'est-ce pas, c'est plus des hommes dont vous faites allusion. Si nous rentrons à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, il y a une majorité. Il y a l'opposition qui est minoritaire. Vous allez dire que qu'on vous donne une part, n'est-ce pas, soit égale à la CENI, n'est-ce pas, on va justifier ça comment? En fait, d'abord, ne me cataloguez pas. Ici, je parle en tant qu'analyste et journaliste indépendant. Oui. Je ne suis ni de l'opposition ni de la majorité, mais je suis en train d'analyser. C'est ce que je n'ai pas dit que vous êtes de l'opposition. Okay. En fait, normalement, Kabila détient une majorité au Parlement. Tu vois, il a une majorité, ce qui est normal. Sous d'autres cieux, aussi dans des pays de vieilles démocraties, je prends l'exemple de la France. Présentement, là, en France, c'est M. Hollande qui dirige avec sa majorité. Donc, le Parti Socialiste est majoritaire au Parlement français.
il n'y a aucun problème qui se pose concernant. D'ailleurs, personne ne connaît les noms de leurs organes qui organisent les élections là-bas. Pourquoi? Ce sont des gens qui ont eu à réfléchir pour éviter des problèmes. Ils ont confié les problèmes d'organisation d'élections au ministère de l'Intérieur. Et ce qui est impossible chez nous, ça ne peut pas se faire. Parce que le ministre de l'Intérieur de chez nous est un homme de Kabila. Donc personne ne va accepter d'aller aux élections avec un monsieur qui est chez Kabila, qui est un analogue de Kabila, et puis ministre de l'Intérieur. Donc ça ne peut pas marcher. Non, je vous interromps. Non, il n'est pas analogue de Kabila. Jamais il n'a pris la part de Kabila pour parler. Donc il parle seulement, parce qu'ils sont, n'est-ce pas... De la même famille politique. Voilà, tout à fait. Bon. Mm-hmm. D'après toi, tu penses qu'un homme qui sort de la même chapelle avec Kabila peut faire des bonnes choses, en fait, peut mener une action allant au détriment de Kabila? Je sais que tu ne vas pas me répondre parce que c'est toi qui anime l'émission, mais je te réponds que non. Donc, voilà. Pour moi, la meilleure des façons... Non, qu'est-ce que je peux dire, ceci? Oui. Il y a des organes maintenant, mm-hmm. à la CENI. Il y a, n'est-ce pas, une assemblée plénière qui va exister. Mmh. Donc, il va, n'est-ce pas, trancher. En cas de problème. Tout à fait. Mais vous ne voyez toujours pas, vous ne donnez pas toujours la chance à cette CENI, cette fois-ci, des vrais. Voyons voir. Enfin, je ne suis pas pessimiste. Mais dis-moi, comme toi, tu accordes du crédit à la nouvelle CENI qui sera installée dans peu de jours. En tout cas, voyons voir. Qui vivra, verra. Mais dis-moi, de mon côté, je ne vois pas comment est-ce que... Même ces gens-là, ce sont des gens qui seront nommés. Et qui va les nommer? Je ne sais pas si c'est Kabila qui va les nommer. Ces gens-là seront là au service de Kabila. Donc en tout cas, pour éviter les problèmes. Tu vois, nous avons connu des élections libres et transparentes, mm-hmm. selon Maluma en 2006. Et à la fin de compte, Bemba n'avait pas reconnu ce résultat. Il l'a reconnu difficilement. Enfin, nous avons connu des élections en 2011. Et celles de 2011, elles ont été décriées par tout le monde. Que non, il y a eu de la tricherie, il y a eu de la tricherie. Kabila est resté là au pouvoir. Et le monsieur, je te montre comment le monsieur a de la mauvaise foi. Vous parlez de quel monsieur? Le monsieur qui nous gouverne, monsieur Kabila, dont le président de la République. Oui. C'est notre chef de l'État, vous savez très bien. Bon, notre président. Vous parlez de lui en tant que chef de l'État. Notre président de la République. Tout à fait. Oh. Mmh. Il sait bien que c'est son dernier mandat. Il le sait. Pourquoi ne pas faciliter les choses? Lui qui ne va pas se présenter. Bon, je mets entre guillemets parce qu'on ne sait pas, il peut modifier la constitution l'un de ces quatre matins. Mais il sait bien que c'est son dernier mandat. Il pouvait tout bonnement dire à ses hommes, non, moi je me retire de la chose. Malgré qu'il se retire, il aura à présenter le candidat de sa famille politique. Moi je me retire, mais du moins, pour quoi, comment dirais-je? Pour laisser une bonne impression aux Congolais, que non, j'étais un homme intègre, un homme démocrate, comme il est dit souvent, un homme simple, un homme bon. Michel, je vous aurai la parole. Monsieur Kabila, n'est-ce pas, doit veiller sur toutes les institutions, la bonne marche, n'est-ce pas? Comment se retirer en tant que président? Voulez-vous que quand il y aura échec, qu'on s'en prenne à lui toujours, comme on l'a toujours fait? Il doit toujours être là en train d'organiser et de cadrer les choses, n'est-ce pas? Vous m'avez mal saisi. En fait, vous n'avez pas pu cerner mon idée. Allez-y. Je voulais dire ceci. Mmh. M. Kabila tend vers la sortie. Ce qui est connu, selon la Constitution, c'est son dernier mandat. Oui. Alors, il est garant de la nation, ça je le sais. Tant qu'il sera au pouvoir, c'est lui qui est le garant de la nation. Mais lorsqu'ils ont eu à réfléchir avec ces hommes, là où ils vont souvent, là, à Kingakati, pourquoi il n'a pas dit à ses hommes que non, moi je me retire, dans quelques années, je ne veux plus postuler comme candidat président. Alors pour donner de la crédibilité à mon action gouvernementale, j'aimerais qu'on puisse constituer une CENI crédible aux yeux de tout le monde. Il n'a pas fait ça. C'est pour te dire que non, le monsieur a des idées derrière la tête. Donc je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais voyons voir comment est-ce que les choses vont se dérouler. Mais du moins, à mon humble avis, je suis trop sceptique. Je t'ai dit, avec cette CENI, on verra comment se passera les élections de 2016. D'ailleurs, la CENI qui va s'installer aura pour mission d'abord d'organiser les élections
provincial. Mm-hmm. Eh bien, à partir des de provinciales, on va voir comment ça va se passer. Ok. Le président de l'Assemblée nationale a déjà commencé. Excusez-moi, n'est-ce pas, juste 45 jours, mm-hmm. à moins que je m'abuse, pour mettre en place cette CENI. Mm-hmm. Oui, bon. Vous pouvez donner quel profil pour le président, soit qui pourra, n'est-ce pas, représenter l'opposition et la société civile, comme selon votre avis. En tout cas, je vois pas. Je vois aucune personne dans la majorité qui est à même de mener la nouvelle CENI, voire même dans l'opposition, moins encore de la société civile. En fait, mon idée principale est celle-ci. C'est de trouver quelqu'un qui n'a pas d'acquaintance avec des politiciens. Cette personne-là existe? Mais si. Lorsqu'on a eu à faire quoi? À faire l'unanimité autour de Monsengwo pour gouverner, pour diriger la Conférence nationale souveraine. Qui pensait que le monsieur-là pouvait faire ce qu'il a eu à faire à la Conférence nationale souveraine? Il y a des hommes dans ce pays qui sont intègres. Des hommes qui ne tremblent pas devant de l'argent. Et certes, c'est une espèce rare. Et en plus, en voie de disparition. Mais il y a des gens. On peut toujours recourir à l'église. Et l'église catholique, je te dis, pas chercher des moupés. Non, non. Pas des abbés ou des sangs. Non, non. Chercher un évêque, quelqu'un intègre. Lorsqu'on remonte son passé, on voit aucun lien avec le pouvoir ni avec l'opposition. Ces gens-là, on peut toujours les trouver. Dans l'église catholique, je dis bien. Quelque part, n'est-ce pas, une faiblesse de la part de l'opposition, parce que on a toujours compté sur l'opposition, mais après, je vois, vous ne marchez plus ensemble avec l'opposition, cette opposition que vous avez, n'est-ce pas, y a donné la chance. En fait, Guy, tu es sans oublier que l'opposition, elle est plurielle. Et ça n'engage que moi. Présentement, la vraie opposition, elle est où? C'est celle qui est alimentée. Tous ces gens-là qui sont au Parlement, ce sont des gens, bon, je ne dirais pas que ce sont des gens sans idéal. Ce sont des gens qui sont allés siéger au Parlement, sachant que non, ce sont des gens minoritaires. Mm-hmm. La plupart d'entre eux, en 2011, ils ont soutenu la candidature de M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Une fois ce dernier échoué aux élections, il leur a donné un mot d'ordre de ne pas siéger au Parlement. Parce qu'il n'a pas reconnu le pouvoir de M. Kabila. Et ils se sont entêtés, ils sont allés au Parlement. Alors, en fait, l'opposition a quatre places. Quatre places. Mmh. Donc certainement, il y aura des gens qui siègent au Parlement qui auront droit à trois places et l'IDPS aura aussi droit à une place. Mais jusqu'à présent, l'IDPS ne s'est pas prononcée en faveur de cette nouvelle CENI. Donc l'IDPS est dubitative. Kinexpress vous présente le nouvel album du frère Atom et la sœur Nadège. Culte, votre album. Découvrez votre album Culte, disponible. Un album qui nous pousse à adorer le Seigneur. Avec des titres tels que Ngwende, Sokiyote, Tout est grâce. Découvrez cet album culte et passez un véritable culte dans la présence du Tout-Puissant. Avec le frère Atoms et la sœur Nadège. Une production de Kinexpress. Un album à découvrir en exclusivité. Je l'adore,
bimimbo ya motema bae fasa kateo ezango. Vous qui aimez passer du temps dans la présence de Dieu, vous qui aimez la méditation, vous qui aimez vivre dans la consécration, dans la prière, Culte, c'est votre album. Un album déjà disponible. Disponible chez Kinexpress, chez Casarema et chez tous les revendeurs habituels. Là, vous parlez de quelle lutte de PES ? Lutte de PES qui siège ou il y a, parce que maintenant on ne comprend plus, il y a lutte de PES qui ne siège pas et dont l'initiateur qui est le président Étienne Tshisekedi ne reconnaît pas et tout ça. Vous parlez de quelle lutte de PES ? Non, mais attends, ces gens-là qui sont au Parlement, ce sont des gens qui ont été chassés de lutte de PES ? Ils ne siègent pas au nom de lutte de PES ? Oui, mais de quelle lutte de PES faites-vous aller ? Je parle de lutte de PES. De monsieur Étienne Tshisekedi de Wamulumba. Mmh. Dans ce sens que, jusqu'à présent, le monsieur réclame l'impérium. Donc, il aura du mal à accepter cette nouvelle CENI. Mais étant donné que nous nous approchons de 2016, à mon humble avis, il serait mieux que monsieur Étienne Tshisekedi de Wamulumba puisse envoyer un représentant au sein de la CENI. Certes, il sera léger par rapport aux 6 personnes de la majorité. Et aux trois de l'opposition qui se oui. Mais je ne vois pas Étienne Tshisekedi accepter d'envoyer quelqu'un là-bas au Parlement. Donc ces gens-là vont s'arranger entre eux pour constituer la nouvelle CENI. Mais rester aussi dans son coin, ne pas envoyer quelqu'un, ça sera aussi une erreur. Parce que lorsqu'il aura se présenté, si d'aventure il s'est présenté à l'élection de 2016 et qu'il n'arrive pas encore à gagner, il va encore crier à la tricherie. Donc tant mieux d'abord essayer avec un homme au sein de la CENI et pour voir la suite. Et d'ailleurs, je tiens à te rappeler que lors de la constitution de la CENI de 2011, il y a eu quelques membres de l'opposition qui étaient allés en Belgique pour voir M. Étienne Tshisekedi, à l'époque convalescent, lui proposer une place pour son parti. Et le monsieur avait proposé le nom de son fils, Félix Tshisekedi Tshilombo, comme candidat de l'UDPS au sein de la CENI. Ça n'avait pas marché. Donc, si cette fois-ci, l'UDPS reste encore dans sa logique de refuser tout compromis avec le pouvoir ou soit avec la nouvelle CENI, en tout cas, je trouve que elle créera qu'elle-même à la tricherie parce qu'elle n'aura pas d'autres appuis si ce n'est d'envoyer quelqu'un au sein de la CENI. Donc, pour une bonne marche des choses, l'UDPS doit se représenter au sein de la CENI cette fois-ci. Ça, c'est mon avis. Mais je ne sais pas ce que pensent les gens de l'UDPS. D'accord. Nous allons passer à notre deuxième sujet. Le 7 juin, à la province, n'est-ce pas, de l'Équateur, parce que nous savons que le gouverneur Baïndé n'est plus. Donc l'organisation des élections nous a donné un calendrier où le gouverneur sera élu le 7 juin prochain. Alors il y a une crise certainement à l'Équateur. Quel profil donnez-vous pour un nouveau gouverneur de la province orientale? Parce que c'est aujourd'hui, après, n'est-ce pas, les analyses faites, la province orientale reste la dernière, de l'Équateur, reste la dernière province parmi toutes les provinces de la RDC. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos sur cette élection du gouverneur? Bon, en fait, l'Équateur nous a habitués à des surprises que je dirais, que je qualifierais de désagréables. Pourquoi je dis ceci? Nous avons connu José Makila Soumanda comme gouverneur de cette province. Et nous connaissons tous comment est-ce qu'il a été
évincé de son poste de gouverneur. Point besoin de rappeler les griefs qui lui ont été reprochés. Pas plus tard, il y a une semaine, j'ai suivi dans un journal de la place, les ressortissants de l'Équateur étaient en réunion au Romeo Golf, dont les intellectuels de l'Équateur, ils étaient en réunion pour parler de leur province. Conduit par Léon Kengwandondo. Léon Kengwandondo, que vous connaissez. Et le monsieur que vous venez de citer, le nom, avait pris la parole. Il a dit, l'Équateur souffre d'un problème sérieux, un problème d'hommes. La plupart d'hommes qui sont nommés ou élus à la tête de la province de l'Équateur, ces hommes-là n'arrivent pas à faire bien leur travail. Là, je suis en train de paraphraser le dire de M. Kengo. Alors, M. Kengo a dit, nous, fils de l'Équateur, nous devons choisir une personne idoine qui doit gérer la province de l'Équateur. Là, donc, c'est le point de vue de M. Kengo qui est en train de parler à ses frères de l'Équateur. Alors, qu'est-ce que j'ai pu comprendre de son discours? Donc, le monsieur a réalisé que non, toutes les personnes, hormis José Makila en 2006 qui était du MLC et qui était élu par les députés provinciaux de l'époque, les restes des hommes qui ont eu à gérer l'Équateur, ce sont des hommes qui ont été élus par les députés provinciaux, certainement. Mais là, vous voulez parler de M. Jacques-Claude Bayende, oui. Parce qu'après José Makila, il n'y a eu que Jacques-Claude Bayende. Oui. Tout le monde sait comment ce monsieur est arrivé à la tête de l'Équateur. Donc, le problème de l'Équateur réside au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Tant que les députés provinciaux ne prendront pas, ne vont pas prendre la mesure de la mission qui leur est confiée, ils feront que des bêtises. Mais l'Assemblée provinciale est dominée par l'opposition. L'Assemblée provinciale de l'Équateur est dominée par l'opposition. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours cette crise qui, n'est-ce pas, ne se termine pas? Mais ce sont des gens qui courent derrière l'argent. Tu fais semblant ou quoi? Ce sont des gens qui courent derrière l'argent. Vous avez connu Tsingy à Kinshasa. Tsingy, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il était ici d'où? N'est-ce pas, du MLC? Et quel était le parti majoritaire au sein du Parlement de Kinshasa? Parlement provincial. C'est le MLC. Combien de fois Tsingy a déjà interpellé Kimbuta pour rendre ses comptes de la gestion de la ville? Je ne sais pas. Si toi tu le sais, tu peux citer. Allez-y. Alors, c'est pour te dire que non, ces gens-là, ce sont des gens qui rêvaient d'accéder à des postes de responsabilité. Une fois qu'ils sont là, ils ont oublié la base. Les envoyer là-bas, ils font des choses selon leurs humeurs. C'est l'argent qui est à la base du problème de l'Équateur. Tant que la majorité ne comprendra pas que non, les élus du MLC qui sont majoritaires au Parlement provincial doivent élire de leur propre gré l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La situation là ne sera pas résolue. Donc pour moi, la situation là sera résolue que lorsque ces gens-là vont élire en âme et conscience un homme capable de gérer la province de l'Équateur. Sans quoi, je ne sais pas comment l'Équateur peut s'en sortir. Oui, je voulais rappeler à nos téléspectateurs, internautes, que la majorité a délégué, n'est-ce pas, son représentant au nom de Koya Gyalo. N'est-ce pas, après lui, il y a 6 candidats de indépendants. Donc nous pouvons citer aussi Jean-Lucien Boussa de MLC et José Makila de l'ancien MLC qui se présente cette fois-ci encore. Bon, nous allons pas s'éterniser là-dessus. Nous passons. Comment voyez-vous, n'est-ce pas, la gestion l'an 1 de Matata Ponyo, monsieur? Permettez-moi, Doudou, Michel Moulumba. La 1 de Matata Ponyo. Oui. Monsieur, je manque même de quoi te dire. Ce monsieur-là, on nous a présenté ce monsieur comme étant un technocrate. N'est-ce pas?
C'est un technocrate qui nous a été présenté par Kabila et ses hommes. En tout cas, le bilan de Matata, à moins que je sois aveugle, il est négatif. Sincèrement, il est négatif. Mon frère. Expliquez-vous. Mais oui, oui, j'en viens. Ce monsieur résume son bilan juste par la paye des fonctionnaires à la banque. Tout ça normal. N'est-ce pas une avancée? Si, une avancée, mais qui ne va pas de pair avec l'assiette du Congolais? Laissez bien. Le monsieur passe à la télé pour nous dire que non, le pays évolue. Maintenant, nous avons maintenant la bancarisation. Les militaires perçoivent leur salaire au guichet des différentes banques de la place, y compris les fonctionnaires. Bon, là, c'est une bonne chose. Je peux dire que c'est bon parce que le fait de toucher son salaire devant un guichet, cela permet à l'État de rentabiliser certaines sommes qui étaient détournées par certains mafios. Mmh. Mais maintenant, quelle est la personne qui surveille cet argent-là? Le surplus-là que Matata renfloue dans sa caisse, le surplus que les mafios volaient, quelle cette personne-là qui surveille cet argent? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à vous répondre. Mais à mon avis, M. Matata, c'est le ministre des routes et le ministre de son camp, de son entourage. Mmh. Le bilan de Matata, en tout cas, je ne le trouve pas du tout positif. Et je vais te dire un truc. Tu sais, lorsque Léon Kingwandoumbé était ministre, premier ministre dans ce pays, on le présentait comme homme de rigueur. Tu sais, non? Monsieur va aller un peu plus vite puisque le temps nous fait défaut. Je vais vite pour conclure. On appelait le monsieur-là l'homme de rigueur, Léon Kingwandoumbé. Et tout le monde sait comment ce monsieur-là s'est enrichi avec l'argent du pauvre Congolais. En tout cas, je vois, c'est la ligne que nous mène M. Matata en pogne. On nous donne l'impression qu'il est technocrate, c'est un bosseur, mais à mon avis, il est en train de saigner les deniers publics. Non, j'avais suivi Matata Pogne dire que le pays, quand s'est retrouvé, n'est-ce pas, à moins 15, aujourd'hui se retrouve à moins 5, peut-être que vous ne pouvez pas sentir cela. Mais il y a quand même quelque chose qui avance petit à petit quand ça va, n'est-ce pas, évoluer jusqu'à arriver à zéro. Peut-être que la population pourra sentir quelque chose sur son assiette. Bon, nous ne traînons pas trop là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui nous suivent en ces moments? Quel espoir pouvez-vous le donner, n'est-ce pas, ces Congolais-là? En fait, je n'ai pas grand-chose à dire En une minute, oui. Mais dis-moi, je vais leur dire ceci. Ce pays est totalement foutu. Mais il ne faut pas désarmer. Il faut plutôt avoir du courage. Parce que si vous attendez que Matata ou M. Kabila créent de l'emploi pour vous, eh bien vous attendrez longtemps. Le mieux de faire, c'est d'être courageux, de sortir et de chercher quoi faire pour subvenir à ses besoins. Sinon, c'est la mort dans l'âme. Donc l'avenir, pour l'instant là, il est totalement sombre. Mais je demandais seulement aux Congolais et aux Congolaises d'être courageux. C'est tout ce que je peux dire. Michel Moulumba, je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Je remercie l'équipe technique qui a contribué au concours de cette émission. Là, je pense à Serge Vanga, à la caméra. Je dirais, n'est-ce pas, je ne peux clore cette émission sans remercier l'initiateur, le grand visionnaire Blaise Manzambi et Madame Lise Manzambi depuis Paris, qui nous suivent aussi en ce moment. Je remercie aussi Guy Pablinto depuis Rotterdam. Je remercie Romain Lubamba, mes enfants à Rotterdam aussi, Bibish Luindula, ainsi que tous ceux qui nous suivent. Nous aimons beaucoup et nous te disons merci bien sûr. Et à notre prochain numéro, restez branchés sur Congo Number One. À la prochaine, au revoir.
Batana chambo panzi Masia ewana zakuya. Et enfin, le DVD intégral de l'album Dans ta présence, volume 2, du frère Michael Ambay et le groupe Shekina Music. Voici votre DVD intégral. Nzambe Azalaka Mibali Azali Seye Moko. Découvrez votre DVD. Banguna na biso bazana kimia atamu kiete. Satana chamo panzi masia ewana zakuya. Je vais avancer, avancer. Je vais avancer, avancer. Satana chamo panzi masia ewana zakuya. Découvrez votre DVD déclic intégral dans ta présence volume 2. Somba DVD Nami Yamoyo. Satana chamo panzi masia ewana zakuya. Olingo Zabiano Namituna Nayo Kolo Fungola Likolo. Somba album Dans ta présence volume 2. Une production de Kinexpress. Une production de Kinexpress. MC Production vous présente Le Temps de l'Esprit. Nouvel album de la sœur Belle Annie et son groupe Le Rocher des Âges. Un album 100% Jésus. Inspiré par le Saint-Esprit. Adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur. Oyo Myriam y attendre la bisou. Bonza Mende Fandina album Oyo. Kimambangu, Somba album Nayo. Cet album est déjà disponible. Une musique qui nous transporte devant le trône de grâce. Découvrez et savourez le temps de l'esprit. Nulle part ailleurs. Un album 100% Jésus. Inspiré par le Saint-Esprit. Adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Le Temps de l'Esprit, c'est votre album. Un album déjà dans vos bacs. Courez vite, achetez Le Temps de l'Esprit. Disponible chez Casarema et sur vos points de vente habituels. Album Le Temps de l'Esprit, Bonza Mende Fandina Kati Album Oyo. Le Temps de l'Esprit, Album Yangoyo. Album Nabino, Papa, Maman, Bana, Musique ya Solo, Musique ya Sika, Po Nabino, Bana na Nzambe. Album Oyo, Ozanga Yangote. Congo number one. Il n'y a pas deux quoi. Donc, Balobi, Congo ya Yambo. Congo, Moko, Namokili. Congo number one. Numéro Congo, Moko, Namokili. Congo number one. Taka, nga moko sonia number one. Congo number one. Congo number one. Congo number one. Congo number one. Puis Congo ka number one. Number one, Congo number one. Toujours number one. Congo is number one. Hein? Oh, votre nom est Ngalema Niniva. Congo number one.
meilleur. Congo, 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 number, number, one, one, one. Donc numéro 1, c'est encore numéro 1. Donc tu n'y as pas eu, donc il faut que tu comptes pas dans la 1. Number 1, Congo, number 1, toujours number 1. Congo, Congo, number 1, toujours number 1. Numéro 1, Congo, number 1, toujours number 1.